Au cinéma, bah, c'est le metteur en scène qui vous fait jouer grâce au montage. Au théâtre, c'est vous qui faites le montage vous-même en prenant plus de temps, en vous plaçant. Le seul critère pour que ce soit plaisant, c'est la qualité du scénario et des acteurs et du metteur en scène. Le reste, franchement, j'ai fait des films où j'étais seul et c'est pas très marrant. C'est intéressant éventuellement à voir, mais à tourner, c'est quand même plus sympa quand on interagit avec des gens. Le scénario, c'est le plus important. Et puis ensuite, quand on est sur le tournage, ça s'équilibre effectivement entre l'interaction avec les personnages, la vision qu'a le metteur en scène, et puis ce qu'on a à dire. C'est sûr que si on a des trucs sans intérêt à raconter... Bon, mais il y a des acteurs et il y a des partenaires qui arrivent à rendre les situations quand même plaisantes à faire, et puis des metteurs en scène qui arrivent à trouver des sens intéressants à des trucs qui, a priori, le sont moins à la lecture. Alors, pas du tout, non. Ça ne me venait même pas à l'esprit avant de rencontrer mes camarades du Splendide, Clavier, Junior et Blanc. Franchement, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et l'appétit est venu en mangeant. C'est la fréquentation de mes copains qui m'a mis sur cette voie. Et voilà. Sur scène, moi, c'est là où j'ai commencé. Donc, c'est vraiment le fond de mon métier. C'est là où j'ai tout appris. En même temps, c'est tellement fatigant. Tous les soirs, c'est vraiment épuisant. Le cinéma, c'est super sympa parce que c'est qu'une fois, voilà. On fait plusieurs prises, mais c'est qu'une fois. Et au cinéma, c'est le metteur en scène qui vous fait jouer grâce au montage. Au théâtre, c'est vous qui faites le montage vous-même en prenant plus de temps, en vous plaçant. Alors, tu es le Tefahara. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Tefahara, mais je veux bien en être un. Ouais, c'était un tournage très difficile, extraordinaire parce que les conditions étaient extraordinaires, que c'est Alain Corneau, que c'était avec Marie Trintignant, avec Patrick Tilsit, François Berléand, donc c'était vraiment chouette, dans des conditions exceptionnelles à Wainé, à Tahiti. Et le film, voilà, j'espérais que ça allait être cette aventure allait enthousiasmer les familles, quoi. Voilà, puis ça fait un million, ce qui est quand même pas si mal, mais le film a coûté plus cher que ce qu'on rapporte avec un million, donc... Un peu déçu pour ça, et en même temps, ça donne le sentiment d'être plus être dans le goût de assez de gens pour faire ce genre de truc. Bon, c'est la vie. Hein. J'ai plus d'attachement pour ceux dans lesquels je suis auteur, évidemment, que ce soit les films du Splendide ou Un Indien dans la ville, par exemple. Pour les autres, il y a des films que j'ai adorés parce que les rapports avec le metteur en scène étaient merveilleux. Quai d'Orsay avec Tavernier, c'était un souvenir vraiment formidable. Les films avec Zidi et Noiret, c'était vraiment merveilleux aussi. Les films avec Lecomte aussi. Voilà, en dehors de ceux pour lesquels je suis responsable comme auteur, j'en ai plein à ce moment-là. Avec Niclou, j'ai adoré tourner avec Niclou. En dehors du Splendide, quand j'ai rencontré Patrick Timsit, là j'ai trouvé vraiment un frère, quoi. On a été immédiatement complices et on en a fait beaucoup ensemble et on est restés très amis et tout ça. Bon, avec Philippe Noiret, j'ai fait 4 films. Ouais, c'était un ami, quelqu'un que j'admirais, que j'appréciais beaucoup, d'une autre génération, et j'ai adoré ça aussi. Voilà, Michel, on se connaissait un peu, puis on a accroché tout de suite quand on a fait Joyeuse Retraite, le 1. Tout de suite, on a passé des moments merveilleux sur les deux autres films qu'on a fait ensemble. J'espère qu'on en fera d'autres. C'était un tournage super. Franchement, le film, j'espère qu'il est bien, j'espère qu'il plaira, mais le tournage était absolument merveilleux. C'est un des tournages les plus agréables que j'ai jamais passé de ma vie. Tu crois qu'ils se sont rendus compte de quelque chose? Oh non, non, non.